Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner des XP très facilement et très rapidement sur la saison 2 de Fortnite chapitre 3. Alors il y a un défi qui est de détruire des structures, donc je vais vous aider à réaliser ce défi très facilement et très rapidement. Donc première chose que vous allez faire, c'est de chercher un tank. Donc j'ai deux solutions pour réaliser ce défi, mais le premier que je vous présente, c'est avec un tank. Donc des tanks, il y en a à Condo Canyon, à Daily Bugles, à Corné Crossword, à Tilted Tower, à Rocky Reels et à l'état-major enfoui. Donc là, regardez, il y a un tank juste en face de moi. Donc je vais dans le tank. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tirer avec le tank pour détruire des structures. Donc hop, vous détruisez le bâtiment. Après, si vous arrivez à détruire... regardez, là, j'ai déjà gagné 7000 XP. Si vous arrivez à détruire le bâtiment, les bâtiments, toute la base du bâtiment, tout le bâtiment va s'auto-détruire. Donc c'est une bonne solution aussi pour augmenter les dégâts des structures. Mais bon, après là j'ai choisi un gros bâtiment. Et si j'arrive à détruire toute la base du bâtiment, regardez, je suis déjà à 200 structures détruites hein. C'est un truc de fou. Si j'arrive à détruire toute la base du bâtiment, laisse tomber les structures que je vais détruire. Et là il y a peut-être pour 500 structures. Mais il faut détruire toute la base, donc c'est un peu compliqué. Ça se tombe, il y a peut-être même pour 1000 structures. Donc regardez, encore 7000 XP. Il y a, je crois que c'est... Attendez, je vais vous dire combien il y a de 7000 XP à gagner. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 étapes, donc 20 fois 7, ça fait 140 000 XP à débloquer. 140 000 XP super rapidement. Hein. Regardez, je vais détruire toute la base ici. Normalement, j'aurais terminé le défi en fait, tout simplement. Donc en même pas 5 minutes, vous gagnez 170 000 XP en légit en plus. Hein. Pas de glitch, c'est totalement légit. Après, je sais pas si j'arriverai à détruire toute la base. Parce que faut voir si elle est pas accrochée à quelque chose d'autre. Donc là on y est presque hein. Détruire ce mur là. Voilà, ce pilier. Ce pilier là. On va détruire ça. On va détruire les piliers là-bas. Je pense qu'on sera bon. Encore un pilier là. Ah, il a accroché là-bas. Qu'est-ce qui fait que le bâtiment tient encore debout là? Faut que tu m'expliques. C'est pas à cause du palmier quand même. Il y a quelque chose qui maintient le bâtiment debout. Alors ça c'est chelou ça. Parce que normalement, quand vous détruisez une base de quelque chose, ben... tout doit tomber normalement. Pourquoi ça ne tombe pas donc? Peut-être ça à cause des trucs là-bas. Ouais bah ça veut pas exploser, ça veut pas tomber, donc c'est dommage. Bon ça c'était pour la première méthode. Là je vais vous montrer une deuxième méthode. Mais pour la deuxième méthode, il faut trouver un blindage. Un blindage que vous pouvez trouver dans des boîtes d'outils. Vous posez au sol comme ça par terre ou dans des coffres et tout. Mais vous faudra trouver un blindage. Donc là, je vais chercher après un blindage. Dès que j'en trouve un, je vous montre c'est quoi la deuxième astuce. Ok, donc regardez, j'ai trouvé le chasse-pierre. Donc c'est un blindage que vous mettez en face de votre véhicule. Donc vous trouvez ça. Ça se trouve aussi dans des boîtes à outils rouges. Mais vous pouvez les trouver posées au sol comme ça par terre. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un camion. Mais là, j'en ai pas... Dans les environs. Donc je vais utiliser le 4. La Jeep qui est juste là. Voilà. Hop. Et là regardez, vous avez juste à foncer dans les structures. Et ça détruit toutes les structures.
Et là, regardez, je suis à 700 de dégâts, structure détruite. Ah bah celui-là, le dessus, il est cassé. Mais l'autre bâtiment, il veut pas se casser. Est-ce que ce serait à cause de ça? Ah non, je sais pas pourquoi ce bâtiment-là veut pas se détruire, mais bon. C'est dommage. Donc là, regardez. Je vais détruire toute la base des bâtiments. Et normalement, j'arriverai à 2000 facilement. Regardez-moi ça, le carnage. Franchement, je trouve que c'est encore même plus facile de le faire avec ça qu'avec le tank. Oh là là, je détruis tout, c'est incroyable. Un des meilleurs ajouts de Fortnite, je sais pas, mais c'est quand même grave stylé. Après, bon, peut-être le patcher, hein, parce que franchement, les dégâts que ça fait sur les structures, ce truc, c'est incroyable. Donc là, je suis déjà à 1000 structures détruites, hein. 1200. Regardez comment ça va vite. Regardez toutes les structures là qui se détruisent. Là, je sais pas combien je vais passer, mais ça va monter vite là. 1300. En plus, regardez, on gagne des XP parce que vous accomplissez 20 quêtes. Donc au final, ouais, ça va vous rapporter 170 000 XP. Si vous faites de 1 à 20, comme moi j'ai fait. Donc, parce que j'avais détruit aucune construction. Donc, si vous faites de 1 à 20, à la 20e étape, de la première étape à la 20e étape, bah là, vous gagnez 170 000 XP en même pas une espace de 10, 15, 20 minutes. Ah, j'ai plus d'essence. Mince! J'avais pas anticipé ce délire là. Attendez. Ah, bah il y a une pompe à essence là. Mais c'est trop loin le véhicule. Il bougera. Ah, il veut peut-être encore bien bouger. On va essayer de le faire bouger. Ah ouais, encore il y a de l'essence, magnifique. Regardez, on va remplir. Et je vais terminer le défi avec vous. Pourquoi ça marche pas? Ok. Je suis à 10%, ok, parfait. Et là, on va détruire tout ce qu'il y a au circuit Shanker. Et normalement, ben, j'aurai les 300. Oula, il y a un mec qui arrive sur moi. Hop, on va monter dans le truc avant qu'il me tire dessus. Ah ouais, d'accord. Oh, wow, wow, y a eu un bug là. Je pouvais pas détruire la structure, je sais pas pourquoi. Ok, on continue. Ok, donc là, je suis à 1900. Et j'ai explosé mon véhicule. Donc, je vais continuer à la main. Pour finir le défi. Comme ça, j'aurai terminé mon défi de détruire les constructions. Bah en vrai, regardez. J'ai encore un chasse... comment ça s'appelle? Un chasse-pierre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le véhicule là-bas. Je vais aller dans un autre emplacement. Et je vais continuer mes destructions. En vrai, je pourrais peut-être même détruire la maison là. Il y a sûrement 100 structures là-dedans. Ouais, le problème, c'est que je prends cher avec la zone quand même. On va pas détruire ici, on va aller un peu plus loin. Voilà, on va détruire le bâtiment qui est juste là. Et normalement, bah là, j'aurai terminé le défi. Ça m'aura pris, allez, plus ou moins 10 minutes. Enfin, je sais pas trop. Je suis à combien de rec là? Ouais, je suis à... Franchement, en 10 minutes, vous le faites. Regardez, là, j'ai terminé. J'ai obtenu toutes les récompenses de toutes les destructions de structures. Donc là, je vais dans une quête à étape, et regardez tout en bas. Détruire des structures 20 sur 20. Donc voilà, en 10 minutes, vous pouvez gagner 170 000 XP. C'est une des meilleures astuces que je connais pour l'instant sur Fortnite. J'espère que cette vidéo d'information bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur CoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.